retrouve toujours de travers un petit peu. On est le 15 janvier. C'est perturbant cette ring light tournée, voilà. Et je voulais vous montrer du coup ce que je ne vous ai pas montré hier. Parce que bah, j'ai pas eu le temps et j'avais déjà beaucoup parlé pour le haul quasi demi. Là, je vais essayer de parler moins, sinon ça va vous saouler. On ne parlera pas de la coiffure. Je me suis abonnée cette année à la box du fil à retordre. Alors là, vous vous dites trop bien une box beauté. Non, pas du tout, c'est une box tricot et crochet. Donc si ça ne vous intéresse pas, je suis désolée. C'est une box, donc... en fait, ce sont deux box. La box du fil à retordre propose tous les mois un pair, une box crochet, et tous les mois pair, une box tricot. Si on veut, on peut s'abonner uniquement à la crochetée ou uniquement à la tricotée, c'est le nom des box. Donc recevoir une box un mois sur deux. Moi j'ai choisi la formule de recevoir toutes les box parce que les deux m'intéressent et j'adore l'idée de recevoir une box par mois. Et donc qu'est-ce que ce sont que ces box? Ces box, ça contient à chaque fois de la laine, de préférence, toujours artisanale, de préférence locale, ou du moins française, des gourmandises locales, françaises, etc. et du thé. Donc voilà, c'est une box gourmande, créative. Ah oui, et un patron pour faire quelque chose avec la laine reçue. Donc j'adore l'idée. Donc j'ai reçu celle de décembre, parce que c'est là que j'ai commencé à m'abonner. Et j'ai reçu celle de janvier. Donc je vais vous montrer le contenu des deux. Donc on voit rien du tout sur la box. La box n'est pas sur-emballée, c'est trop chouette. Elle est... les produits sont directement mis dans la boîte en carton qui est envoyée comme ça. Alors j'ai eu des petits déboires avec la seconde box qui a dû être très maltraitée par la poste et qui est arrivée un peu en mauvais état, je vous en parlerai plus. Mais je vous montre déjà celle de décembre. Donc dans celle de décembre déjà, il y avait des sablés qui ne sont plus. Voilà, qui ne sont plus, j'ai tout mangé. Alors par contre, je ne sais plus, je ne sais pas d'où viennent les sablés, je m'étais fait la réflexion... ça c'est pour la laine, il n'y a pas de petite étiquette, du moment j'ai pas eu de petite... Dans la seconde box j'ai eu une petite étiquette mais pas dans la première, donc je ne sais pas d'où viennent les sablés, c'est fabrication artisanale, c'est marqué, enfin ils étaient super bons mais je ne sais pas. Au niveau de la laine, oh, ça sent bon parce que je vais vous montrer ce qu'il y a dedans, c'est la laine de Une Louve dans les bois, donc c'est de la laine qui est fabriquée où? Laine teinte à la main dans le respect du bien-être animal. Mais il n'y a pas marqué d'où ça vient. C'est dommage, j'aurais bien aimé savoir. Mais il faudra aller voir. Ah, Lille, voilà, Lille. Donc c'est trop chouette. Regardez-moi cette couleur. Je ne sais pas si vous voyez quelque chose parce que c'est trop beau. J'adore. Et du coup, le patron pour faire avec... c'est de la laine à chaussettes, mais qu'on peut utiliser comme laine à chaussettes ou comme laine autre. Il y a un patron de chaussettes beaucoup trop mignon. Donc pour l'instant, je ne vais pas le faire. Parce que je ne sais pas faire de chaussettes, donc je vais apprendre à faire des chaussettes avant de tricoter ces chaussettes, mais je suis bien contente, c'est très joli. Dedans, il y avait du thé, donc du Jungle Chai thé noir, je n'ai jamais goûté. C'est dommage que ce soit pas du thé bio, vraiment dommage que ce soit pas du thé bio, mais on fera avec. Par contre, c'est fait à Marc-en-Barœul en France, enfin le thé vient pas de là forcément, mais... mais voilà, je pense que c'est mis en thé noir, citrouille, graines de cardamome, cannelle, pomme, carotte, gingembre, gousse de cardamome, extrait de vanille, arôme naturel de citrouille. Bah, clairement, c'est un thé de Noël. Hein. Voilà, et dedans, il y avait un petit fondant. Il y a toujours un truc bien-être aussi, je crois. Voilà, donc un petit fondant de... Vous savez, à faire brûler sous les bougies. Voilà, comme ça. Qui sent hyper bon, alors qui sent fort, donc moi je le ferai pas brûler déjà parce que je n'ai plus de brûle parfum, de brûle bougie, de je ne sais pas comment ça s'appelle, et parce que je ne supporte pas les fortes odeurs, mais par contre ça sent très très bon, je pense le mettre dans ma boîte de laine et mes laines vont sentir excessivement bon. Alors c'est un artisan cirier qui est où, je ne sais pas, c'est pas écrit, qui s'appelle Bougidel, voilà. Et donc, fabrication, fondant végétal parfumé, bois de oud. Ouais, ça sent très bon. Bougidel, c'est dans le 34. Voilà, vous voyez, je vous ai dit que des trucs français. Donc ça, c'est très très chouette. Et donc, je crois que c'est tout pour la box. Oh là là, c'est pénible ce washi tape. Pour la box du mois de décembre. Je suis désolée, c'est un peu décousu. Mais comme je réfléchis en même temps, c'est un peu complexe. Donc voilà, la box de décembre, c'est fait. Et maintenant, ah oui, il y a deux petits bonbons. À chaque fois, il y a des petits bonbons. Ce sont des petits babeluches du Nord. Voilà, il y en a deux. Ça, c'est fait. Et maintenant, la box de...
la box de janvier, qui est donc une box crochet, qui a un petit peu eu des problèmes because elle a été maltraitée par la poste. Donc, le sachet de gourmandise est arrivé éventré. Il y en avait partout dans le colis. C'était des cookies. Et il y en avait plusieurs qui étaient complètement défoncés. J'ai pu en sauver trois, je crois. Deux et demi, trois, les manger. C'était tellement bon. En plus, c'était tellement bon. J'aurais aimé les manger tous. Puis, il y en avait un peu partout sur ma laine et tout. Enfin, c'était un peu pénible, ça. Donc, les petits cookies venaient de la Lorette Pâtisserie. Là encore, il n'y a pas l'adresse. C'est fort dommage. Mais c'était fort bon. La laine, ça, c'est la laine. Il y avait donc encore deux petits bonbons. Et du thé, toujours de la même marque, Tea Tap. Je ne sais pas, c'est du maté cette fois. Voilà, c'est vraiment dommage que ce soit pas bio. Hein. Mais c'est du maté. Donc, du maté aromatique, mais non, c'est du maté atomique. Voilà, j'ai jamais goûté de maté, je crois. Et le plus intéressant, la laine. Donc, il y avait aussi, ah oui, un pochon. Un pochon avec le logo du fil à retordre. Donc, j'ai mis la laine dedans parce que j'ai dû la dépoussiérer un peu aussi. Il y avait des gâteaux dessus. Donc, il y a deux pelotes de cette laine poilue. Très belle, très, très, très douce. Il y a encore des bouts de gâteau à certains endroits. Et donc, c'est de la laine, le terrier du lapin blanc, producteur de laine Angora dans le 80. À Saint-Sauflieu. Vente de laine, articles confectionnés, ouvrage fait main, commande sur mesure. Voilà. Donc c'est encore local. Si j'ai deux pelotes comme ça, c'est vraiment. Oh, c'est tellement doux. Ça me rappelle mon petit plume. Qui n'est plus, mais qui était un lapin angora. Et le patron à faire avec, que je vais faire, je pense, parce que ça me plaît bien, ce sont des mitaines. J'ai jamais fait de mitaines. Faire des mitaines au crochet, ça me plaît bien. Donc le patron a pas l'air très compliqué. J'ai bien hâte de tester ça. Donc, je vais mettre ça de côté. Là, pour le coup, je vais tester bientôt, je pense, les mitaines au crochet. Voilà pour les deux box. Puis, je continuerai à vous montrer les prochains mois, si ça vous plaît. Enfin, moi, ça me plaît. Donc, en fait, je continuerai même si ça vous plaît pas. Et sur ce, bah, je dois aller faire du ménage. Voilà. Le 17 janvier,
Je m'apprête à aller me laver les cheveux. Ça fait une semaine que je les ai pas lavés. Je n'ai pas fait de masque parce que j'ai eu la flemme. Donc ce sera tout simplement lavage avec le shampoing solide de chez Umai, shampoing doux. Après shampoing Kalia et un peu de crème de jour tout mousse sur les longueurs. Tout mousse du coup quand mes cheveux seront propres. Voilà, tout simplement. Et donc pas de routine curly aujourd'hui, mais une simple tresse après le lavage. J'ai encore failli oublier de vous montrer le challenge créatif de la semaine, donc le bilan de cette semaine qui se termine, on est dimanche, dimanche 17 janvier je crois, et le challenge de la semaine prochaine. Donc cette semaine, j'ai fini mon BK cardigan, il faut que je le lave et que je le bloque. J'ai aussi fini mon châle Lost in Time, pareil, il faut que je le lave et que je le bloque, et lui j'ai pas rentré les fils. J'ai commencé une étole dont je vous ai déjà parlé, que je souhaite offrir, qui a bien avancé. Je vais la continuer tranquille cette semaine. J'ai monté avant-hier le châle Lift Me de chez By Night Creation. Il est juste magnifique en mohair et laine. Franchement, il est canon. Je suis déjà trop trop fan. Et j'aimerais bien cette semaine commencer à monter les mitaines avec la laine en angora que j'ai eue dans la box du fil à retordre, parce qu'elles ont l'air très très chouettes et ça doit pas être très très long à faire. Donc voilà, mon programme, continuer l'étole, monter le châle le plus possible et lancer les mitaines. Voilà, j'ai une folle envie de faire des mitaines et des moufles en ce moment. Alors j'ai repéré des tutos sur Ravelry, faut que je me calme. Et ça c'est toujours mon super fond de chez AliExpress sur des planches de contreplaqué que j'ai acheté chez Leroy Merlin, et j'ai mis ça avec des trombones pour le moment. Voilà.